金曜日の司会はナンポルトキン、司会の上松のアブです。今日のラインナップはゲームレビュー、クランチタイム、忘れられたゲームの歴史です。まずはノーライフニュースからお送りいたします。それではどうぞ。Pour ce dernier 101% de la saison, on voulait ouvrir cette rubrique sur un jeu marquant, dispo sur plein de plateformes et globalement apprécié par la presse et par les joueurs. Mais comme cette période post-3 pré-Japan Expo est assez peu chargée, médiatiquement parlant, et comme on a déjà parlé d'Overwatch hier, on ouvre le bal de ces dernières news avec Halo 5 Guardians, qui s'offre cette semaine une update gratuite, répondant au nom très peu pacifiste de Warzone Firefight. Prévue de longue date, cette mise à jour majeure, la 8ème depuis la sortie d'Halo 5, inclut 3 nouvelles cartes, de nouvelles armes et surtout un nouveau mode jouable à 8 en coop, où il est question d'affronter des vagues d'ennemis de plus en plus agressives et de plus en plus épaisses. Mais peut-être pas aussi épaisse que le nom du jeu de combat que vous voyez maintenant à l'écran, Under 19 Burst Exhalate, que l'on surnommera ici Uniel par souci de confort. Critiqué l'an dernier lors de sa sortie sur PS3, Uniel sera disponible sur Steam dans quelques petits jours, le 13 juillet pour être précis. Comme nous le rappelle French Bread à travers ses deux trailers, où le studio nous présente quelques personnages, anciens et inédits, que l'on peut incarner dans cette version améliorée d'Under 19 Burst. Enfin, on termine ces actus avec Pokémon Soleil et Lune et les 7 nouvelles créatures dévoilées dans la dernière bande-annonce. Ces Pokémon n'ayant pas encore de nom officiel français, on ne vous fera pas l'affront de tenter de vous les décrire physiquement. Ça pourrait être drôle, mais à notre humble avis, ça ne vous avancerait pas beaucoup de savoir que le prochain volet vous permettra notamment de capturer une fée électrique, un bus chenille, un scarabée mante religieuse et un dragon papy. Pourtant, c'est exactement ce qu'il sera possible de faire dans la prochaine génération de Pokémon, qui, pour rappel, est attendue sur 3DS le 23 novembre prochain. ゲームレビューのコーナーです。今回私が話したいんですけども、日本のゲーム、ストリートファイターは皆さんご存知ですか？私めちゃくちゃ好きで、今日の格好はもうチュンリー感じません？飛行機って100列もうすごい好きで、私も本当に3歳からやってるんですよ。それ最強です。めちゃくちゃ3歳で波動拳出してましたからね。最強ですし、とね、何が好きって、あの今のバンドでほとんどこうあの時の格闘ゲームのキャラクターへのオマージュみたいな衣装をいっぱい着たりとか、もうとにかくね、カプコン、アイラブカプコンですね。戻ったか、グエンドリン。À ceux qui disaient déjà en 2007 que le jeu vidéo avait tendance à tourner en rond, Odin Sphere a répondu « Et alors ?» Développé par le studio VanillaWare pour la PlayStation 2, cette action RPG a décidé de diviser ses différents niveaux en de nombreuses petites sphères, dont on faisait bien vite le tour, à l'heure où la tendance était plutôt à l'expansion des mondes. Alors on a tourné en rond, plein de fois. On a tourné autour de tous les petits mondes parcourus par Gwendoline, la Valkyrie fille d'Odin. De la fournaise Vel'Kanon à la forêt de Ringford, en passant par le monde des morts d'Endelphia, on a tourné, tourné, en abattant des ennemis et des boss qu'on a revus et rebattus avec d'autres personnages. Avec Cornelius, le prince transformé en Pouka, la fée Mercedes, Oswald le guerrier maudit et la princesse Velvet. On a tourné en rond 5 fois de suite, et pourtant on a toujours bougé, frappé, esquivé, et déchiffré une histoire décousue inspirée de différents mythes scandinaves. Alors, quand près de 10 ans plus tard sort une nouvelle version d'Odin Sphere toutes deux HD vêtues, la question est de savoir si elle vaut la peine d'y retourner inlassablement en rond. Et la réponse est oui. Parce qu'Odin Sphere est ainsi fait qu'on n'a jamais vraiment l'impression d'y faire la même chose. La répétition dans le jeu se limite à des décors, des skins d'ennemis et des objets. C'est une répétition de surface qui lassera peut-être les yeux en imaginant qu'on puisse être lassé par les décors et les personnages magnifiques de VanillaWare, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec les pouces ou la tête. Pendant que se mêlent les destinées des 5 personnages principaux et que se forme l'histoire générale du jeu, on découvre toujours de nouvelles choses. Des informations sur les motivations et les agissements de chacun, bien sûr, mais aussi de nouvelles manières de jouer. C'était déjà vrai dans la première version de 2007, et ça l'est encore plus aujourd'hui, grâce à un système de combat entièrement remanié. On reste sur des bases d'action RPG en 2D à forte teneur en beat'em all. Mais alors qu'on nous encourageait autrefois à économiser les attaques avec une jauge d'endurance, c'est désormais tout l'inverse.
Les nouvelles compétences actives et passives à débloquer, en les trouvant ou en dépensant des points d'expérience, ne demandent qu'à être enchaînées, en puisant dans deux jauges de ressources différentes qui se rechargent rapidement. Et les combos ainsi formés, aussi longs qu'esthétiques, pourront être maintenus sans interruption grâce à la nouvelle possibilité d'esquive. Évidemment, chacun des personnages possède ses propres coups normaux et spéciaux, et on ne contrôle pas du tout une Gwendoline comme un Cornelius. Ça pourra éventuellement s'avérer gênant, si on n'apprécie pas particulièrement le maniement d'un personnage, puisqu'ils devront impérativement tous être joués dans un ordre défini, pendant 7 chapitres chacun. Mais là aussi, les compétences à débloquer sont bénéfiques, puisqu'elles amènent une progression constante et plaisante, dont l'absence a tout le loisir de se faire sentir dans le mode classique, disponible dans ce remake. Rien que ces nouveaux combats, et la conversion en HD impeccable, justifient amplement qu'on se replonge dans ce jeu formidable qu'est Odin Sphere. Mais Leif Thrasir, sa nouvelle version, n'a pas que ça à offrir, et se permet également de réagencer ses niveaux et de revoir un système d'inventaire qui avait fait grincer des dents en 2007. Il faudra toujours composer avec un espace de stockage réduit, mais on n'aura plus à gérer des sacs dans des sacs dans des sacs. Et c'est pas du luxe. C'est pas du luxe car entre les différentes potions à concocter et les nombreuses graines à faire germer pour obtenir des fruits ou des moutons qui permettent de gagner de l'expérience, on passera un temps considérable dans l'inventaire. Et cette gestion parfois un poil laborieuse, maintenant que le reste a été brillamment mis au goût du jour, est devenue le seul tout petit prix à payer pour apprécier à la fois une histoire riche et passionnante, et un jeu dynamique et profond. Quitte à devoir en faire 5 fois le tour pour débloquer le vrai mode difficile, avant d'en refaire 5 fois le tour, et encore, et encore, et encore. Quand c'est des tours de ce genre de manège, il n'y a pas de souci à Odin Sphere.今ゾロバチはですね全国ツアーを日本でやっていまして、作品が出ました。で今も制作をしていていろんなかっこいい曲を書いてるんですけれど、まあ、今回フランスに来てフランスの音楽の日、日本パリ文化会館に行ってライブをすることができてすごく嬉しい限りです。また来たいので来た時はもうねライブしたいな、いろんなとこに行きたいな。あとね今回はクレイジーホースに行きます私、うん、いっぱいパリの文化を吸収してでまた新しい情報によってパリに来れたらななんて思っています。それではクランチタイムご覧ください。Bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Le scénariste écrit l'histoire du jeu, le game designer établit les règles du jeu, mais c'est au level designer qu'il revient de construire le monde du jeu. Cela commence par une phase conceptuelle avant même de commencer à créer quoi que ce soit dans le moteur du jeu. Le level designer, ou LD pour les intimes, doit en effet faire la synthèse harmonieuse de plusieurs besoins. Déjà, le niveau doit raconter une histoire. Le LD va donc discuter avec le ou les scénaristes pour identifier les moments forts que le joueur devra vivre dans le niveau. C'est ce qu'on appelle les story beats. Par exemple, c'est dans ce niveau que Sonic affronte Knuckles. Il va également discuter avec le game designer pour connaître les mécaniques qui doivent être mises en avant à ce moment du jeu. Par exemple, dans un Zelda, c'est dans ce donjon que le joueur reçoit le boomerang et doit apprendre à s'en servir. Il y aura également des besoins esthétiques. Ce niveau est censé se dérouler dans un château au-dessus de la lave, par exemple. À partir de ces différents besoins, le LD écrit un walkthrough, c'est-à-dire un document racontant l'expérience de jeu. Le walkthrough est en général accompagné de croquis avec une première idée de ce à quoi le niveau va ressembler. Déjà à cette étape, il y a un processus itératif, et le walkthrough va connaître plusieurs versions puisqu'il va passer entre les mains des scénaristes, du game designer, qui auront sûrement des choses à redire ou des suggestions à apporter. Le niveau entre ensuite en production. Le LD va réaliser une première version dans le moteur. C'est ce qu'on nomme en général la version bloc, c'est-à-dire une version à base de cubes et de surfaces non texturées, dont le rôle est simplement de pouvoir tester rapidement le flow. C'est ainsi que l'on appelle l'enchaînement des actions et des mécaniques. La version bloc du level design permet également de s'assurer que les différents composants du niveau sont à la bonne échelle. Une fois que tout le monde est satisfait de la version bloc, le LD va réaliser une version plus avancée du niveau. Cette version est encore brute de décoffrage sur le plan graphique, mais propose un gameplay fonctionnel. On dit alors que le niveau est en version alpha. Ensuite, la phase de décoration et d'éclairage va commencer.
Selon la taille du studio de développement et son organisation interne, ainsi que le type de jeu et sa direction artistique, ces étapes sont soit réalisées par le LD lui-même, soit par un graphiste spécialisé. Mais au fur et à mesure que la technologie évolue et que les visuels deviennent toujours plus complexes, ce sont de plus en plus souvent deux métiers séparés, le level designer d'un côté et le level artiste de l'autre.私話したい話があって、日本のギャルってご存知ですか皆さん。ギャル、若い女の子で、ギャルっていうと、なんていうかな、日本では民族みたいな扱いなんですよ。でなかなかいろんなギャルがいて、で、清楚なギャル、普通のギャルもいれば、なんていうかな、ちょっとイケてるお姉ちゃんみたいな、ちょっと肌の露出が多いようなお姉ちゃんもいれば、あとね、マンバっていうのがいるの。マンバ、見た目だとマサイ族みたいなマンバっていう子がいるんだけど、すごくかっこよくて、彼女たちはメイクとネイルと あとは髪型で全てを示していて、もうね、ギャルは最高なんですね。ギャルが大好きな場所でドン・キホーテっていうのがあります。日本にはドン・キホーテっていう恐ろしい激安の、スーパーマーケットがあるんですけど、何でも揃うっていうところがあるので、よければ日本に来たらギャルとドン・キホーテ、あと女王たちは押さえておいてほしいポイントですね、ぜひとも。それでは忘れられたゲームの歴史ご覧ください。Mes chers enfants, ça y est, nous y sommes, c'est la fin de l'année. J'avoue avoir eu du mal à trouver un jeu digne d'un dernier cours. Mais c'est pendant ma lecture du livre Citizen Game de Nicolas Gaume, qui raconte l'histoire incroyable du défunt studio français Callisto, que j'ai fini par dénicher une perle méconnue, Expo 2089 Cyber Revolution. Oui, 3DS. Eh oui, tu l'as bien compris, nous allons donc parler d'un jeu français aujourd'hui. Et vous allez voir qu'à bien des égards, ce titre sort vraiment de l'ordinaire. Expo 2089 Cyber Revolution. Expo 2089 Cyber Revolution est sorti sur PC en 1999. Son histoire narre les aventures de Koji en 2089, à une époque où la paix universelle s'est enfin imposée. Les gens du monde entier sont enfin heureux, libres et apaisés. Sauf qu'une sorte de virus inconnu va s'infiltrer dans l'Archéonet et mettre en péril cette paix tant désirée depuis la nuit des temps. Koji, cyberagent, va devoir s'infiltrer dans les mondes d'Expo et mettre fin au plan de l'entité avant qu'il ne soit trop tard. Oui, Vita ? Eh bien non, hein, même si l'histoire pourrait un peu donner l'impression d'avoir affaire à un jeu futuriste très sérieux de type FPS, il n'en est rien. Comme vous pouvez le voir sur ces images, c'est même tout à fait le contraire. Avec son pull marin Jean-Paul Gaultier, Koji n'a pas vraiment le physique d'un héros du futur. Expo se présente sous la forme d'un action platformer en 3D dans lequel votre avatar va pouvoir se déplacer librement, sauter et donner des coups de poing. Tout au long des niveaux, vous allez devoir récupérer un certain nombre d'objets ou d'artefacts qui vous permettront d'avancer dans la fameuse Archéonet. Même si graphiquement, on a déjà vu plus inspiré en 1999, Expo s'en tire plutôt bien d'un point de vue technique. Oui, ou une question ? Ah, belle remarque ! Tu trouves que le prénom Koji sonne un peu japonais ? Eh bien, tu vas voir que ce n'est absolument pas un hasard. Si à vue de nez, Expo n'a pas forcément l'air super original, nous allons voir maintenant ce qui rend cette production française totalement atypique. Car sous ces airs de banal jeu d'action se cache en réalité une véritable œuvre de valorisation de la culture française. Je sais, dit comme ça, ça paraît un peu bizarre. Mais ce que je vous ai pas encore expliqué, c'est que les fameux objets que vous êtes censés retrouver dans les 11 niveaux sont en réalité des artefacts qui débloquent ce qu'on appelle des sphères de la connaissance. Et qui vont vous présenter toutes les grandes inventions ou découvertes françaises de ces derniers siècles. La découverte de Lucie, l'invention de la photographie ou encore du cinéma, la découverte de vaccins, etc., etc. Toutes ces avancées notoires dans l'histoire de l'humanité vous seront ensuite présentées par de petits clips vidéo très instructifs et très 90s. Tenez, regardez celui-ci. Louis Braille était aveugle depuis l'âge de 3 ans. Quand on ne voit pas, comment faire pour lire ? Louis, la vue, l'odorat, le toucher,
le toucher. Grâce à l'invention de Louis Braille, les aveugles peuvent lire avec leurs doigts. 1829, il crée un alphabet pour les aveugles. Pouvoir lire comme les voyants. Le monde de la connaissance leur est ouvert. Alors peut-être penserez-vous qu'Expo n'est finalement qu'un logiciel ludo-éducatif comme il en existait déjà tant. Sauf qu'il est maintenant l'heure de lever le voile sur le mystère du nom à consonance japonaise de notre personnage, Koji. Bien que Expo soit développé par un studio français situé à Bordeaux et s'efforce de présenter aux joueurs une partie de ce qui fait la grandeur de notre pays, ce titre est aujourd'hui totalement inconnu chez les joueurs français. Et pour cause, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce titre n'est sorti qu'au Japon. En vérité, Expo n'est pas vraiment un titre comme les autres. Écoutez bien les enfants, il a été spécialement développé sur la demande du gouvernement français de l'époque dans le cadre des très nombreuses activités liées aux années de la France et du Japon entre 1997 et 1999. Pendant un peu plus de 2 ans, d'innombrables événements culturels, musicaux, gastronomiques ont été organisés dans les deux pays. C'est par exemple pendant cette période que la France prêtera et offrira au Japon une réplique de la célèbre Statue de la Liberté d'Auguste Bartholdi. Dans le cadre de cette année de la France au Japon, ce logiciel était donc une idée particulièrement originale et séduisante pour mettre en avant la culture et l'histoire de France auprès des enfants japonais. Voilà pourquoi votre avatar porte un prénom japonais. Il met au point le daguerreotype, plus simple. Le jeu a ainsi été développé par l'un des fleurons du jeu vidéo français de l'époque, Callisto, et entièrement financé par la société japonaise NEC. D'ailleurs, fait qui avec le recul paraît aujourd'hui totalement surréaliste, c'est le président de la République de l'époque, Jacques Chirac en personne, qui a annoncé et présenté le jeu aux médias japonais et dans les locaux de NEC. C'est dingue, non? Parce qu'imaginez une seule seconde François Hollande qui débarquerait sur scène à l'E3, à la place d'Yves Guillemot, pour annoncer un nouveau jeu vidéo made in France. Ouais, non, on n'arrive pas à imaginer. Expo est donc sorti au milieu de l'année 1999 au Japon, sur PC. Vu qu'il s'agissait d'un logiciel développé pour ses opérations culturelles et diplomatiques, les CD-ROM PC n'ont pas été vendus, mais ont été distribués gratuitement auprès des enfants japonais par le biais de multiples opérations. Les retours ont d'ailleurs été visiblement très positifs. Car s'il ne s'agissait certes pas du jeu du siècle, Expo n'en restait pas moins un titre amusant, jouable et surtout très intéressant. Il témoignait aussi parfaitement du talent des développeurs de Callisto. Bref, s'amuser gratuitement tout en découvrant le génie de Nicéphore Niépce, des frères Lumière, de Louis Braille et d'innombrables autres illustres inventeurs français, que demander de plus ? 1827, la première photo ouvre une nouvelle ère, la civilisation de l'image. Visiblement, une version PlayStation était aussi prévue. Mais étant donné que la version PC était gratos, il aurait été difficile pour un éditeur de faire payer ce que beaucoup auraient logiquement considéré comme une publicité géante de la culture française. Du coup, la version PlayStation ne sortira jamais. Voilà mes enfants, j'espère que vous retiendrez le nom d'Expo, un jeu français qui propose de découvrir notre beau pays de façon originale et offert aux enfants japonais sur demande de Jacques Chirac. Avouez que ça méritait un cours de Playhistoire. Et comme il s'agissait aujourd'hui du dernier cours de l'année, ben vous l'avez compris, il n'y a pas de devoir. Alors, bonnes vacances à toutes et à très bientôt. Peut-être.見えるかな。イエーイ。イエーイ。ああ、もう残念なことにお別れの時間になってしまいました。今、Zとップにて投票が行われてるみたいなんですけれども、たくさん投票していただけると、私たちのミュージックビデオに投票してもらえると、また、フランスにも来れますので、ぜひともどんどんガシガシ投票お願いいたします。ではまたフランス来ますので、よろしくお願いします。またお会いしましょう。アビエント。以上、バチでした。 街を胸騒ぎご乱心。メモリアルな走馬灯走る不思議な運もない運。平成軌道って呼ぶつもりが一貫性をリズミカルな何時間いかず踊りくぐって最初列車に飛び乗って。